On y va. Bonsoir. 1. Biwa. Biwa. Est-ce qu'il y a les filles parmi nous? Manifestez-vous les filles, manifestez-vous les filles. Ok. Est-ce qu'il y a les garçons parmi nous, s'il vous plaît? Allez, les mecs, on se manifeste. Merci. Ria, ya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Biwan. Est-ce que ça va? Non, attends, il y a d'autres personnes qui répondent pas. Est-ce que c'est un souci? Sécurité, c'est lui qui ne répond pas dehors. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut crier ensemble notre cri de guerre? Vous êtes prêts pour répondre? Pour que l'éternel Dieu des armées, là qu'il est, qui puisse sentir que la meilleure émission, c'est B1 Show. Est-ce qu'on peut être tous ensemble? B1 Show! B1 Show! Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission, comme je l'ai toujours dit, la meilleure de l'Afrique centrale. Et c'est ça, cette émission B1 Show qui permet à tout le monde de venir se distraire, se divertir. D'autant plus que c'est les vacances déjà. Et là, je vois la salle et encore une fois de plus se remplit. C'est la deuxième édition de la reprise. La première émission, j'étais avec Fiston Saïsaï. Merci à Saïsaï qui a répondu à l'invitation. Merci à tout le monde qui était là. Et aujourd'hui encore, je vois des beaux garçons et des très belles filles. Ça va. Bonsoir. Ça va? Vous avez un sim, hein? Ça aussi, c'est le numéro là, hein? Ok, on a eu. Ça aussi, c'est le numéro là, hein? Ou le grand assis, ok, hein? Ok. Qui m'a été pardon, hein? Et l'angéza. Voilà. Alors. Merci. Et aujourd'hui, je vous informe qu'il y a beaucoup de délégations qui sont venues et ça fait plaisir de savoir que 9 ans B1 Show est toujours au top. 9 ans B1 Show, nous sommes toujours là. Nous avons des délégations, nous avons bien entendu d'abord tous les quinois. Est-ce qu'il y a des quinois ici parmi nous? Manifestez-vous les quinois, manifestez-vous. Ça, c'est bon. Alors, ils sont venus de toutes les 24 communes pour assister dans cette émission B1 Show, la deuxième édition de la reprise, bien entendu. Et nous avons aussi une délégation qui nous est venue des Brazzaville. Elles ne sont pas encore accueillies, s'il vous plaît. La délégation qui sont venues des Brazzaville, on l'a pour lui très, très fort. Merci. Et lui, c'est le président Ritez Okiemba. On va parler, bien entendu, aussi avec lui par rapport à ce qu'il est venu. Et on le reçoit, en tout cas. Merci beaucoup. Et aussi une délégation... Non, Mtadouba a été. Mais une délégation qui aussi Belgique. Belgique, on peut les applaudir très fort aussi, mesdames et messieurs. Il est là, il vient de la Belgique. Merci. Alors, je dis que cette émission, elle est internationale. Aujourd'hui, nous allons voter un décret loi dans l'Assemblée nationale. Orbo Yango, 2021, on va voter OT. B1 Show, désormais, est commis officiellement l'émission internationale, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ah ouais. Les invités sont là. On va commencer rapidement pour recevoir les invités. Ils ont répondu valablement à cette invitation parce qu'on avait affiché, on avait publié, on avait averti à tout le monde que voilà, on allait recevoir les personnes que vous avez vues sur l'affiche. Personne n'a hésité. Et tous, ils ont répondu à l'invitation. C'est une gloire, hein, c'est une joie. Merci beaucoup. Et pour commencer, je vais inviter mes invités parce que nous allons commencer notre émission avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie. Le tout premier que je vais demander de venir, mesdames et messieurs, lui, c'est l'homme de grignotage. Il a un français particulier. Il a sa façon de faire sa comédie. Il a sa façon de parler. Il a sa façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut me dire amen maintenant même? Mesdames et messieurs, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste qu'on appelle l'homme de grignotage, Hans Luzolo. Mesdames et messieurs, Hans Luzolo.
Danse le solo. Tranquille, mon frère. À l'aise. Allez, vas-y, va t'asseoir déjà et prends ton micro. Voilà. Merci. Ça va? Ouais, ça va. Lampe de grignotage. Je suis un peu grignoté, papa. Merci. Alors, le deuxième. Aïe, 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 je vous jure, ça va être chaud aujourd'hui. Et déjà, je vous signale. Écoutez, comprenez, ayez l'habitude de voir cette émission en deux tranches. Vous comprenez cela, c'est comme ça. Là, on va aller jusqu'à, parce que les invités sont au top, d'autant plus qu'ils ne sont pas vraiment trop fréquents ici. On profite de l'occasion lorsqu'on les invite. Le deuxième, mesdames et messieurs, parce que lorsqu'on a commencé cette émission, vous avez compris qu'on a commencé par du bruit. On a fait du bruit, on a crié, quand Kébiwan, on fait du. Quand on pleure, on fait du. Quand on danse, on fait du. Quand on chante, on fait du. Et lui, c'est le daddy. On l'appelle Herman Ab. Tranquille, daddy. On est dans. Non, non, non. On est dans. On est dans le bruit. En fait, tu me rappelles Tom Sawyer avec ton chapeau. Non, je commence, t'inquiète, c'est pour te provoquer. T'inquiète. Non, 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 c'est bon. Je sais que tu vas répliquer, t'inquiète. On applaudit pour Herman, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, on va se retrouver avec deux artistes humoristes face à un artiste musicien. Lui, c'est l'enfant de la maison, comme on dit. Ouais, c'est l'enfant de la maison. Il connaît cette émission, le coin et le recoin de cette émission, parce que c'est déjà un grand habitué. Il a marqué son temps, il continue à marquer son temps. Il s'impose aussi avec son style et sa façon de faire la musique et sa façon de voir des choses. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement l'artiste. Signa Magaz Fabirous. On est venu pour faire nos allées. Merci. Vas-y. Il est là, Signama. Ah mais non, attends. Merci, merci, DJ. C'est bon, DJ, ferme ta gueule. C'est bon, DJ. C'est bon. Alors, je dis DJ, ferme ta gueule parce qu'il parle avec la musique, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? DJ Contador. Il a parlé. Mesdames, messieurs, ça fait plaisir lorsqu'on invite les invités, ils répondent à l'invitation et du coup pour faire cette action qui passera à la télévision, il y aura des filles et garçons, faire cette action de regarder la télévision. Ça arrive, hein? Check. On applaudit mes invités, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Voilà. Ah, ils sont beaux, hein? Ils sont beaux gosses, hein? Ça va, Hans? Papa, toi-même, tu vois. Je vois quoi, là? Ah, comment t'es mignon, là? T'es beau gosse. Papa, aujourd'hui, je suis amplifié, papa. Non, mais est-ce que, franchement, Antonio, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis souvent, là? Et... Papa. Je suis majeur, comment je ne vais pas rencontrer? Hein? Daddy, c'est la deuxième fois dans cette émission. La première, c'était pendant le confinement. Il y avait comme public zéro. Il y avait des gens qui avaient regretté de ouf. Ils se sont dit, mais franchement, devait les voir. Ben, comprenez, c'était la dissensation et tout ce qui s'est passé, tout ce qui va avec, tous les tralala. Maintenant, quand même, on dit ça va, adieu coronavirus, mais quand même, il faut se protéger. Hein? Alors maintenant, on est là avec toi, Daddy. Ça va? Ouais, ça va. Avec Hans à côté, je ne sais pas si j'ai... Et Fabulous à côté encore. Grignotage, là, grignotage. En tout cas, sinon, ça va. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je suis très content de revoir ces beaux publics. OK. Vous êtes magnifiques. Vous pouvez applaudir pour vous-même, en tout cas. Je sens qu'il y a certains qui sont venus célibataires, mais si tout va bien, regarde à gauche, à droite. Si tu sens que tu peux sortir marié ce soir, crois en toi. Dites amen. L'amen. Cinéma, Gaspard. Dof, dof, dof. Otigera pour comme rumba. Teto sa nyo so choix exact. En tout cas, exact que Otigera pour baki sine rumba en même temps ça là. Donc voilà. Ça va, ça se passe très bien. Super bien en tout cas. Ah non, moi j'ai orchestre bani. Bah senti vraiment le talara pour la première photo et bien show aller net aux arapina complètement. Tout ça là moi bien. Sinon ça se passe bien ta carrière, ça s'est évolué normal, tu as eu effectué dernièrement des voyages, tu étais en Afrique du Sud et tout ça se passe très bien.
Ouais, tout se passe très bien. Là, là, et c'est quand tu as moi, non, bah, qui en a tous les cas, moto. Mais non, ils ont on a vie privée, et puis ils ont été sur le professionnel. Ah, d'accord. Naboye, comme il y a un gros, tu es ami de Moutamba. Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Sauf que tout ça, on va programmer Bélé. Merci, est-ce qu'on peut encore une fois de plus applaudir mes artistes. Alors, sentez-vous très à l'aise? Vous savez comment ça se passe, c'est l'ambiance, c'est le show, on va découvrir des talents. Ok, il y aura des chanteurs qui vont chanter, il y aura aussi, pourquoi pas, des humoristes prévus, sélectionnés. Et puis, on aura aussi des temps avec vous. Donc, du coup, sentez-vous très, 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 très à l'aise. Ok, je ne vais pas vous demander de faire ceci, faire cela. Ce qui te vient en tête, vas-y. C'est l'immaturité totale. Tu fermes ta gueule, s'il te plaît, sur la tête de ma mère. Ferme. Sécurité! Il s'appelle Brandon Louté. Eh, pardon. Chef Nabiso Abiyouane, pardon. Chef, tu peux crier, pas de problème. Hein. Merci, Brandon Louté. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Alors, pour commencer, vous savez, dans cette émission Abiyouane Show, nous découvrons le talent. Ça se passe comme ça, parce qu'il y a quand même, le pays regorge beaucoup de talents dans la musique, dans la comédie et tout. Donc voilà, cette émission, 9 ans, on est là pour ça, pour aider ces jeunes aussi, qu'on puisse quand même les découvrir aussi, pourquoi pas, dans d'autres cieux, qu'on sache qu'en RDC, non seulement il y a Gaz Fabulous, non seulement il y a Herman Amici. Bravo, je t'ai vu sur DBM. Ah bon ? Au commis loin. Petit David, tu sens, non ? Ah, c'est fort. Daddy. Quoi? Quoi? Oh. C'est bon. D'accord. On s'arrête là. Luzolo. Oui, papa. Oui, ma père, moi, quoi. Mais un moment, à te voir, sincèrement, tu me rappelles Thomas Ngijon. Ouais. Présent Bobo. Souvent, tu vois. Ça tue tonalité française, papa. Oh, Seigneur. Ouais, souvent. Ouais, souvent, les gens me disent ça. Bon. Sincèrement, on a des traits, c'est pour cela. Comme les gens me disent ça dans la rue, même les blancs, j'ai dit, je vais changer les figures. Oh. Je ferme les locks directement. pas de traits d'union. Bon. C'est fini, c'est parti. C'est parti. Ah ouais. Là, maintenant, là, c'est le sol. Ah ouais. Là, on est grignotage. Mesdames et messieurs, on va se retrouver tout de suite après, parce qu'on va, juste après, on va voir des jeunes, on va vivre en live. Des jeunes que j'ai découverts comme ça, qui ont des voix extraordinaires et qui vont nous faire revivre une fois de plus l'ambiance de Wenge, BCBG, 4x4, tout terrain. Pas l'ambiance du Stade de Martyr, mais l'ambiance du Wenge. On se retrouve tout de suite sous vos applaudissements. Merci. B1 Show, exprimez votre talent. Lokola yo privé nga motema yamboso awa yo koito lingana na ye ezala mala na yo ya suka voyage oya kokimela mambu moyo elengi ozangisa nga bayike seboyo lokozela kana mibesa modimba ya ya soki ndenge nini yo koyebaka voyage sima mikolo yo wanobelemi Nini toweli ngana yo Awa natika lili kome ya ya Wapi oyo remplace nga voyage Wala ya sima ngana kore fide Hey, toujours hein Nini toweli ngana yo Awa natika lili kombe ya ya Wapi oyo remplace nga voyage Mala ya sima nga na kore fize Voyage Boni nyoko salaka boko Voyage Nyoko tika moto nasu
ciel. Voyage. Désespoir n'a qu'à diamanté. Voyage. N'a qu'à consoler. Voyage. Ah, président Dauphé. Boni n'a qu'à salama. Voyage. 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 Duna meja kawise, tenge asanga ki MC panda kaka pona voyage. Marie France chou, asanga kabe yae, kaka pona voyage. Duna deje kato, tenge asanga ki sabatine kaka pona voyage. Bepo eko mata. Sua eco chole tire yo confisé deixe mandando basusu bako kendeke voyage ya makambo basusu bako kendeke voyage ya kelasie basusu bako kendeke voyage ya bafeleo kasi yo kotika se susi moko na motema ya moto ale manino no kodae. Voyage. Boni nyoko salama bo. Voyage. Voyage. Désespoir na katia motema. Voyage. Sokiki na bona nyako salisa ye. Voyage. Maimbozo ambia alembia. Esika moto akokufa bino boko yeba kate. Souci à voyager, et pour qui continue dans moto, il a mis salamade. Aïe papa, bon, même pas, n'a la camalère, et papa, bon, à voyager, j'en paierai ma vie. Ata, cause, mon souci, et pour beau, ça n'a pas été. J'en suis manalé la panadofé. Isa maweza jete mutata iye ase luzolo na lima kayo e shirima nalela nosa naleli mama nalela ye glodi ture ye ko playboy nga nalela mwana ye jete mutata oyanga ye nga nalela mwana ye voyage. Voyage, boni nyoko salama bo. Voyage, nyoko tika moto na susi. Voyage, desespoir na katia motema. Voyage, tika moto na kosa lisa ye. Voyage. Voyage, yoko tika moto na susi. Voyage, desespoir na katia motema. Voyage, tika moto na kosa lisa ye. Voyage. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore les applaudir très très fort, s'il vous plaît? Des talents. Permettez-moi de faire le vantardisme, l'orgueil, encadré par Dauphin Boulamate, dit en Capi My Voice. Merci. Voilà, ça va? Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Ton nom c'est Mon nom c'est Prefinandit. Prefinandit. Et toi? Nostralema. Prefinandit et Nostralema. Ce sont des stars, des artistes qu'on a essayé d'encadrer. Prochainement, ne soyez pas étonné, ce mon épée qui est non, n'est-ce pas par rapport, Merci, il faut de plus vous applaudir. Merci, merci. Voilà. Dauphin. Ouais. Attends. Il y a un truc pour eux, pour moi. Non, parce que je ne peux pas abandonner Babi Maboué. Viens. Ouais. L'homme de Dieu, je peux faire quelque chose ou j'abandonne d'abord. Attends, c'est quoi ta question, t'as dit? Non, je suis en connivence, papa. Nous sommes là guidés par les serviteurs de Dieu. Ok. C'est quoi le conseil, papa? Bon, tu sais,
Moi, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, ouais. Bon. C'est bien d'aider, mais je ne suis pas mieux placé pour encourager les choses mondaines. Ah, ok. Parce que, attendez, vous êtes là, vous êtes content. Vous ne savez pas combien j'étais ici et puis je me suis renfermé. Ces deux gens ici, ils ont failli réveiller mon côté païen. Surtout Didier Masséla. Qui Didier Masséla? Surtout Didier Masséla. Mais il peut chanter pour une chanson. Ce que Bayem Minze Manzambe, ça veut dire que tu peux aussi. Allez-y donc. Moi-même, d'ailleurs, je suis un ancien musicien, je sais. Attends. Tina Ninyango, Vula Tulu et Kotina Mboka. O komile lo pasteur ye bakanzambe moto akope sa calévation. Voilà. Ce qui gabo, merci. Ah. C'est bon. Wera, c'est bon. Hein? Wera ça va. Ah, Wera. Okay. C'est bon maintenant. Mais le zinga liste. Alors, tu les grignotes ou pas? Où ils attendent après? Non, après. Ouais, vous allez voir les grignotages. Merci une fois de plus pour les artistes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, c'était la première partie avec les prestateurs, les humoristes, en fait, les chanteurs, j'allais dire les humoristes. Maintenant, je vais m'entretenir vite fait un peu avec mes invités. Après, on va passer encore à autre chose parce que Gas Fabulous a dit qu'à Komina Rumba, c'est une première fois dans Beyond Show parce qu'on a l'habitude de le recevoir, des playbacks. Non, Komina Rumba, t'es na bakisi ne rumba la musique. Comment est-ce que c'est na na bakisi, faut être clair, na bakisi. Ah, wow. Fabulous. Oui, malheureux, na tiki mamblanga pour na rumba. Ah, d'accord. Donc, il faut encourager. Bon. Parce que moni bango ko sala rap ko cha mutune ti muto yembelenze mona rap ke na ma brita. Ke na ma brita. Après yo mboté. Comment on est ça mon. Félicitations papa. Merci beaucoup. Tiaboulé. Merci. Oh, OK. Y a ma vision, y a ma vision. Pourquoi on a rap? Ke bana yo, na solo bana yo, David manga. Et puis, Hans ne ment pas. C'est pas facile. Je profite de l'occasion pour féliciter une fois de plus Gas Fabulous. Passer du rap vers la rumba ou encore rajouter la rumba dans le rap, c'est pas facile. Ça c'est vrai. Moi en fait quand je l'ai appris, je me suis dit j'allais voir à quoi ça allait ressembler, mais après j'ai suivi la chanson, j'ai dit waouh. Tu as suivi quand même malgré l'homme de Dieu. Malgré quoi? Malgré le corps évangélique. Non mais il y a un truc qu'ils comprennent pas. Moi par exemple, je profite déjà, sûrement il y a des fidèles de la CDJ ici. On dit quand tu veux prêcher un païen, il faut te faire païen. Des fois, vous allez me voir peut-être en train de fumer la chicha. Ne soyez pas dit, oh non, le pasteur fume la chicha. Non, c'est, je fume pour maîtriser les effets afin de bien vous prêcher. Donc, c'est pas ça. Si tu ne maîtrises pas les effets de la chicha, comment est-ce que tu peux dire à la personne, écoute, laisse fumer, c'est pas bien parce que ça cause ça. Non, il faut essayer. Essayer. C'est comme une fois, je devais prêcher sur la prostitution. Donc, là, j'avais refusé. j'avais refusé. Là, t'avais refusé. Il y a des limites. Mais c'est pas normal. Des fois, le pasteur vous rendez même vos enfants timides. Hein? Ils le rendent. Si toi tu es pasteur, bon. Est-ce que ta fille ou ta fils, il doit être pasteur? Pourquoi j'ai dit ça d'offre? Pourquoi? Je connais une fille, bon. C'est une fille de pasteur, bon. Dont son collègue. Il a mis la chanson de Wear and Son à la maison. Bon. Il écoutait côté phénomène, wambote. L'enfant, il coupe les hanches. Tu peux nous montrer? Non, vas-y, lève-toi, sois laisse. Bon. L'enfant. Il coupe ma phénomène. Directement, il a écouté papa dans la chambre. Ah bon, Belinda? Directement, l'enfant, il a changé. Le même rythme. Tatan Zambi Wambo Tembo. C'est pas normal. Alors, je reviens à Fabulous. C'était comment, en fait, lorsque tu t'es décidé finalement de rajouter la rumba dans ta musique? Parce que la rumba a été, au fait, reconnue mondialement. Et c'était juste un truc que tu rêvais aussi, toi et Kakabongo. Explique-toi. Et déjà, la rumba que je suis en train de faire, ce n'est pas de la rumba pure. C'est la rumba modernisée. Okay. En plus, c'est dû à ce qu'on retrouve ailleurs. Quand on voyage, on se dit, voilà, les gens nous reconnaissent comme les artistes et musiciens congolais. Tu dois obligatoirement faire ce que les Congolais font. Et c'est ce que tu encourages d'autres rappeurs aussi ou c'est juste... Non, pour un début, vu qu'il y a un bandit, ils vont hésiter.
Après, quand ils vont comprendre que ça paye, ils vont venir. Parce que longtemps. Pour l'instant, ils pas critiquer Bissonnant ou quoi. Ils nous critiquent d'abord, donc ça va passer. Et le recrutement, c'est aussi facile. Il y a des musiciens. J'avais déjà des musiciens dans mon label. Ok. Et j'ai pris des musiciens du label. Nakoti Bangon Arrête Orchestre. Jeune Courageux Prod. Jeune Courageux Production. Ils sont là, on va. C'est pas facile à un artiste qui a un label, qui a aussi, je sais pas moi, un orchestre. Ouais. Voilà. Je fais le dire. Aider aussi les autres et artistes. Et une carrière à côté. Faut le préciser. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Ouais. Et tu donnes quand même la peine d'écouter les autres, de les recevoir. Ouais. Ça ne te gêne pas quelque part ? Non, non, non. En fait, il suffit juste d'avoir ce cœur-là, de vouloir aider les autres. Aider les autres. Ouais. Merci beaucoup. Donc, bravo aussi à Jeune Courageux Prod. Donc, on va avoir le temps de découvrir. Daddy ! Est-ce que il vous est déjà arrivé d'imaginer si Gaz Fabulous était un musicien gospel ? J'allais bien le faire. Je sais, voilà. Je demande maintenant au public. Vous pouvez imaginer la chanson Mkolo Mbongo. Je mets Mkolo Bible. Tu as l'idée ? T'as l'idée ou pas ? Tu l'imagines en train de dire. Il doit chanter pour Dieu. Bon. Là, il dit Mkolo Mokili. Aïe. Hein ? Rien. Mkolo Mokili. Aïe. Aïe, na banjelou, na ye. Aïe. Lingala. Merci. Là, il est là. Tu l'entends en train de dire il faut akoumi sa isu. Il faut akoumi sa nzambe. Parce que yo moka obenga nzambe obi yemei. Mutatika satana. Satana na defo. Peut-on s'attendre à d'autres collaborations à part Koffi Olomidé ou par rapport, bien entendu, du fait que tu as rejeté la rumba, est-ce qu'on peut encore s'attendre à d'autres collaborations avec d'autres musiciens aussi ? Oui, il y a déjà des collaborations. En projection, on peut déjà savoir où ? C'est encore un secret ? Non, c'est dans le secret quand même. Ah, c'est un secret. Ouais. Mais quand c'est même, un truc que... tellement fort qu'on est obligé de garder jusque-là. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Alors, Daddy, je reviens un peu à toi vite fait. Ça se passe comment ? Du bruit, le bruit, c'est tout le monde qui en parle finalement. Au Simbi Wapi, et à Yindengenini, Fongola biso vérité toba ndeko na yo yaya. Ce qui a tête le quota silence, ils allaient contrer la bruit et ça l'a bien. Il n'y a pas un plus grand travail aussi dur que d'être artiste dans tous les domaines différents. Ça c'est vrai. Parce que c'est un boulot qui te demande de réfléchir tout le temps. OK. Tu dois faire de ton mieux pour être d'actualité, pas dans le mauvais sens. Donc tu dois toujours chercher à proposer au public quelque chose des bons, exactement, des consistants et qui doit rester. C'est comme les musiciens, je ne sais pas si Gaz Fabulous va me contredire, en sortant un album, on ne sait pas laquelle des chansons fera succès exactement que les autres. En fait. Des fois, on sort des œuvres, il y a les unes qui tiennent, il y a les autres qui ne tiennent pas. Exact. On a de l'inspiration qui vient presque tout le temps. Tu sors une vidéo, tu sors l'autre, mais un jour, tu te réveilles bien, ça tombe sur quelque chose de bien, ben, ça marche. Ça a été pareil avec le bruit. Aujourd'hui, on ne peut pas les refuser, c'est partout. Personne ne refuse, c'est tout le monde qui en parle. Et même ça traverse même les frontières, au Congo-Brazzaville. Je pense que le président Ritez Okiemba ne va pas me contredire. En Côte d'Ivoire, c'est le bruit. On en a même fait tout un sujet dans une émission que j'ai vue, je ne sais pas moi, dans une chaîne ivoirienne. Okay. On a parlé de ça, au fait. Tout le monde, même les sorciers, la nuit. Ils sont dans le bruit. Tout le monde est dans du bruit. Tout le monde. J'ai appelé mon pasteur, mon père spirituel. Moi aussi, j'ai un père spirituel. Ah, okay. Je l'appelle comme ça, lui-même. Alors, c'est trop tard. Je suis déjà dans le bruit. Tu comprends, en fait, c'est comme ça. Il y a le bruit, on dit comment ? Christique. Il y a le bruit christique. Okay. Il y a le bruit ambiant. Chacun définit le bruit à sa manière. Il y a même le bruit scientifique. OK. Donc, c'est chacun qui définit le bruit à sa manière. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Hans, on ne te voit plus dans les théâtres. Ouais. Maintenant, c'est les one-man show. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement ? Tu commences une nouvelle carrière, toi aussi. On ne te verra plus. Explique-nous un tout petit peu, quoi. Je explique en français, toujours. Attends, la population. Vous dites quoi ? Vous savez d'où je viens ? Ouais. Dans la marmite des Français. Bon. Donc voilà. Oh Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Au même temps, je veux parler, mais le crédit des Français me dit, votre solde est insuffisant. Donc voilà, je dirais,
comédie, vous-même, vous savez, tout ça, là, depuis un certain moment. Ouais. Pendant beaucoup de temps, je vous dirais, mine de rien, ça c'est vrai. Dans l'année prochaine, à début d'année, je vais totaliser 20 ans de carrière. Sérieux? Oui. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, donc 20 ans de carrière, déjà l'année prochaine, je vais fêter. Étant on a commis en Europe, je me suis dit, pour rassembler tous les acteurs, c'est vraiment difficile. Alors, ça demande beaucoup de moyens. Et je me suis dit, je me suis donné au travail, ma casse personnellement. Mm-hmm. On a le moins la casquette, tu vois, on a un endroit, il y a le théâtre, les lots. La comédie aujourd'hui, comme je suis l'artiste et humoriste, parce qu'aujourd'hui, je fais pas mal de one-man show, même en Europe, même Awa. Donc, okay. J'ai travaillé ce côté-là, il y a humour, côté qu'on a comédie. Aujourd'hui, je suis à 20% dans le théâtre, okay, mais 80% s'est lancé plus dans la carrière. Mais quand même, quand tu fais ici, lorsque il y a tes frères qui t'invitent pour, je sais pas, un zonzing, un truc, prêter juste ton visage, tu le fais quand même. Hein? Si j'ai le temps, oui, je peux le faire, mais le temps est tellement, on a tellement chargé, des fois, je n'ai pas trop le temps. Okay. Parce que là-bas, en plus, le problème, c'est que là-bas, tu perds beaucoup de temps et tu gagnes moins. C'est vrai. Voilà. Bah, quand on a eu 6 heures du temps, maintenant, quand on a la poche, on s'en bien l'écart de Kaïb aussi. Arrête de dire ça. Mais oui, je te dis. Mais on dit quand vous dites ça, c'est pour nous décourager, tout ce qui n'est pas tout, c'est ça. T'es qu'on décourage, t'es. Ok. Poto, n'a pas qu'on encourage, t'es qu'on décourage, ben moutouté. L'Europe, c'est comme le mort. Hein? Baba, ni papa, l'article, ce manque d'article, rajoute-moi l'article. La mort. La mort. Voilà. Tu meurs et puis tu comprends. Qui s'y était là-bas? Tu as compris, papa? Merci. Donc, il faut payer les dettes d'Isier. Ok, vous pouvez nous amuser. Il faut aller, toi-même, tu vois, après tu rentres. Ah, okay. Si tu ne vois pas, tu n'es pas voir. Merci beaucoup, les artistes, merci. Alors, pour ça, enfin, ouais. Je voulais aussi placer un mot sur Hans. C'est un grand frère, nous on les a suivis tout lundi, on a la télévision, pendant exact. Que je n'avais même pas encore l'idée en fait, d'embrasser la carrière humoristique. Aujourd'hui on se retrouve comme ça assis sur un même plateau, moi c'est un honneur. Mais au-delà en fait, je voulais quand même le féliciter pour le courage en fait. Tu sais, prendre le courage de laisser, pas de laisser ou bien de mettre à côté pour un moment la carrière de théâtre et embrasser le stand-up, c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est vrai. Il y a une très, très grande différence, sans pour autant chercher à critiquer, entre le théâtre et le stand-up. Tu sais, les murs qui est devant où on te dit action, coupé, et le moment où tu te retrouves devant un public, il n'y a pas d'action. Pas d'action, pas de coupé. Tu les fais mal, ils vont hier sur toi, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui accepte, et il les fait aussi bien, donc c'est un bosseur, il mérite encore. Voilà, on applaudit. Merci. Alors, vous nous faites tellement planer aussi. Alors permettez à cette émission, qui en est des coutumes bien entendu, de vous offrir aussi ce que nous avons l'habitude, c'est notre rituel. Et je vais inviter Rémi, Merne Décor, Benny, voilà, Patrick, Patrick c'est en deuxième position. On commence d'abord par Rémi, Merne Décor et Benny, c'est ça? On commence d'abord par les trois. Donc j'appelle Rémi, Merne Décor et Benny. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être rapide? On vous invite, venez présenter ce que vous avez bien entendu réservé comme cadeau à nos artistes. On commence par Rémi, c'est ça Rémi? Viens prendre ton micro, vite fait Rémi, viens prendre ton micro. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On compte? Trois? Non. Vas-y. En fait, portrait Nassali, c'est pour le président. Les présidents Président Fatih. Ah, Fatih Béton. Oui, je l'ai fait à base des clous et fils. Des clous et des fils. Oui, parce qu'il y en a pas sept. Ok, on peut voir ça? 3. Oui. Comptons. 3, 2, 1, 0. Wow. Sérieux, là? Mais il y a Fatih derrière. Il n'y a pas de dessin, c'est fait juste avec les fils et oui, tout. Oui, les arrêts, juste sept, là, Basinga. Puis. c'est punissable. Hein, papa. Pardon? Rémi, hein? Oui, Rémi. Oui. Ah, papa, l'heure relou que l'on fait pas problème, mais ça, il fait bien. Tu as mis président dans les noirs, mais pas dans les brouilles. Ah, ok, bravo en tout cas. Je pense bravo, que. Hein. Je cherche jusque-là à comprendre, en fait. Je pense qu'il y a un dessin caché derrière. Et puis, non. Il n'y a pas de dessin caché derrière. Non, non.
Waouh. Waouh. Bravo. Waouh, waouh, waouh. Encouragement. Bravo, on fera un effort parce que dans le bras toujours, ceux qui vont s'aider le roi Boye. Pour venir Moutou, les secondes n'ont pas fâché, il y a un raté qui n'a pas fait Sambongo, il n'a pas fait Sambongo. Alors pour ça, il y a un peu de Sambongo. Est-ce que vous avez un peu de fâché? Un peu de Sambongo, mais là. T'es sérieux? A pied, on a un peu de photo, on a un peu de photo. Ok, bravo. Alors, Rémi. Les numéros. Vas-y, donne le numéro rapidement. Alors, le numéro, c'est le 089. 089. 77. 77. 87. 87. 729. 729, vous avez l'artiste Rémi et pour faire des commandes, pareil. Merci beaucoup, l'artiste Rémi. On l'appelle encore très, très fort, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merve décor, béni, s'il vous plaît. Soyez directement sur le podium. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. Toi, c'est. Merve décor. Merve décor. Tu as des cadeaux pour nous. Est-ce qu'on peut compter directement de toi jusqu'à 0, 3, 2, 1 ? Voilà. Oh ! Oh là ! Moi et ma mère, ma défunte maman. Ah, ok, merci beaucoup. Non, les latés, maman, ça n'est qui mien. Non, les latés. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi et ma mère, hein, ma défunte maman. Deuxième merci cadeau. Beaucoup. Deuxième tableau. C'est pour Daddy. Ah, c'est pour Daddy. Dieu merci, s'il te plaît. Ah, applaudissez pour Daddy, vous l'avez. Merci beaucoup. Troisième, c'est pour Ancilou Zolo. C'est le clignotage. Ancilou Zolo. Ah, ok. Ton numéro de contact 4M42. 084. Les œufs, là, c'est pas fini. On a 6 artistes. On a 6 artistes. On a 6 artistes. 084, hein, mm-hmm. 093, 45, okay. 90. Là, ils ont l'artiste Merve. Merve Décor. Merve Décor. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Allez, merci beaucoup les artistes. Merci. Merci, merci. On les appelle encore très, très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On marque maintenant une petite pause avec le prochain. On va maintenant rire. Lui, il a aussi son style parce qu'il est de la famille présidentielle. Ah ouais ? Oui. Surprise. On y mettait que les mignons garçons comme ça là, ouais. Les plus beaux de la planète. Au petit bac cadeau comme ça là. Berk, là on a une pièce de cadeau. Berk, patron Berk. Où tu es? Oh, bon vous n'y êtes pas, mettez-moi beaucoup. Eh, mon coup c'est les qui n'avaient pas compris. On m'a dit sur un mignon garçon. Ngavo la zone s'est présentée. Ngavo la commis journaliste. Pèse un numéro. Bon, numéro là, c'est 089 91 56 039. Si l'Ikita Kende. Mais ça, quand nous regardons. Ah, eh, la Bossani. Papa, la fesse, merci. Je t'en prie. Et puis, cadeau de mon pèse à yo. Ouais. Au bout de mon bali, mais moi, la nage, je mon bimba. Papa, assure solo. Cadeau de mon pèse à yo. Bota bane belé. Bala naga na tai. Bala ndo na tai. Na tai. DJ. Oui. DJ. Oui papa. DJ. Oui papa. A bengue au combien de fois? 19 fois. Na bosa ni mera pepe kala na pidi. Pona. Ebi to na monia, to DJ Koti. Makanisi maleki ngai. Il fait les gaga. Mais jeune courageux. Ah, tu connais. Nani. La beauté. Ton la nana. Ah, bon, no, merci. Oh, mignon, que collègue. Waouh, bah, viens un petit peu, voilà. On a dans les plus beaux de la planète. Merci, Nami Kiti Singamoko. Bon, t'as la nana, on a un mignon garçon. Bon, félicitations, et je vous informe que DJ, il est papa. Oui? Non, non, c'est vrai, sincèrement. Hein. Je suis papa. D'une fille. Maman, sur moi, tu n'auras pas la nengenini. Fille, maman, quand on sort, avant samedi, on a joué papa. Non, arrête ça, t'es papa, arrête ça. Merci. Quand même, je suis papa, respectez-moi quand même. Oui, évidemment. Je suis un papa d'une fille. Bon.
Et ma fille s'appelle Arciel. Mabongo pour la bébé Nanga, le verre. Merci beaucoup. Merci. En tout cas. Bébé Asia, bienvenue à Elle au Monde. Oui. Et sa maman aussi. Tu as eu à effectuer un voyage, un très long voyage, tu étais absent. 6 mois. 6 mois, tu étais absent du. Et demain, je voyage. Ah, demain, quand tu voyages? Je voyage encore demain pour Mwanda, Tchela, Boma, Angola. Ok. En tout cas, on peut que ce soit un bon voyage, en tout cas, DJ. Merci, les vilains types de fin. Mesdames et messieurs, on applaudit très, très fort pour DJ. Merci. Merci. Akimate, hein? Hein? Ah, je voyage dans Boma, Akimate. Le prochain, mesdames et messieurs, on l'appelle Tatou Séraphin. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort. Tatou Séraphin. Attention, attention. Signifier le pour et pouvoir. Merci, car je fouille Boros. Moutatika ma parole, Nanzem, vous n'avez pas défaut. Moutaloba, pas changer la connexion. Moutaloba, na longa car, na longa andar, na longa nuni. Ah, fouille Boros. Non, va te gayo, Dadji. S'il vous plaît, ceux qui vous lancent une mission, ne m'écrivez pas. Je suis avec l'auteur du bruit. Donc, mes bruits sont continuels pour toute cette semaine. Donc, ne m'engrivez pas, Dadj. Je suis fan de toi, je l'avoue. Ange Luzolo, on va grignoter après l'émission. Mais je suis en Belgique, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Qui m'a-t-il? Non, qui m'a-t-il? Je suis comme dans l'aéroport, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire. Voilà! Merci, mesdames et messieurs. Eh, Biwani, c'est devenu un homme à Paris. Regarde comme j'ai fait l'humour. Merci Biwana. S'il vous plaît, Dauphin, j'essaie de blaquer, mais Biwan, c'est une émission suivie par les autorités. Alors, quand tu invites le public, il faut faire l'effort de respecter les lois. S'il vous plaît, Dauphin, tu es un exemple à suivre. N'est-ce pas, on avait dit que tous les Congolais ont une plaque. Wapi ba plaque, Nabino. Wapi ba plaque. Herman a mis wapi plaque. Mais... on va vous arrêter, hein? Regarde, je parle de plaques et les autres sont en train de me bouder. Je comprends, je suis en Afrique. Un Congolais, ça boude partout. Un Congolais, même quand il ne comprend rien, il boude. Vous imaginez, il y avait un montage dans le macadam quand j'arrivais. Alors, on lui dit de déplacer un peu parce que le président de la République venait avec son cortège. On lui dit, papa, pousse un amoukier, président, je suis un cortège. Il faut voir la réaction, il y a moutoua moto. Ah papa, le président de la République, Azanan, président. Donc vous comprenez qu'il boude même quand il ne comprend rien. Vous savez, en parlant des Africains, nous avons un public de sorciers. Aujourd'hui, je vous fais rire, non? Mais après 2 jours, si je n'arrive plus à faire rire, vous serez les premiers à me critiquer. Wereson et Wenge, ils ont fait un grain de foire de faire le concert au stade des martyrs. Ils ont chanté toutes les chansons. Mais ce que le Congolais ont retenu, c'est seulement les papiers. Vous avez oublié Moulolo, Yikimama, Moulolo, Dasima. Ce que vous avez retenu, c'est les papiers. Mais en parlant des Africains, vous savez, moi je me demande pourquoi on dit que l'Afrique est colonisée par les Français, par les Européens. Moi j'ai l'impression que c'est nous qui avons colonisé la France. Par la musique. Qui a colonisé la France, n'est-ce pas? Ce sont les Africains. Même dans le football. Bon, on va faire un exercice ensemble avec vous. Si je dis le nom d'un joueur, vous disiez Africain. Dans l'équipe de France, il n'y a que des Africains. Kanté. Africain. Kipembe. Africain. Benzema. Africain. Zidane. Africain. Céline Dion. Ils jouent au foot, hein? Mais c'est une blague, mais tous les joueurs sont des Africains. Et puis les Français sont courageux. Vous imaginez, on marque les buts, on dit, oh là 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 là, le coach Didier Deschamps est content du but marqué par les Français, N'Golo Kanté. Et un joueur français qui s'appelle N'Golo Kanté. Mais c'est pas normal. Akitala, même dans la politique, les politiciens français sont des Africains. Macron, il est qui?
sort. Ça, tu débordes, même si on blague. Non, ça ne s'arrête pas là, même dans la musique. Je vais citer le nom de musiciens, vous disiez africains. Nisika, Dalika, Bouba, Kimisa, Dadiou, Bedejo, Fachi. Ils chantent, hein? Non, mais c'était pour blaguer, mais tous les musiciens, presque tous les musiciens français sont des Africains. Mais en parlant des Africains, moi, il y a trois musiciens africains qui m'inspirent. Le premier, c'est Niska. Niska, lorsque lui chante, même si la chanson était tendre, la brutalité entre. Vous imaginez la chanson comment? On a grandi dans la jungle, on a grandi dans la jungle. Maintenant, ce qu'elle était entre, c'est un euro fauché, bédo, bédo, maman de pâte, suffit, quoi. Oh, papa, chante mal mes mains. Chante mal mes mains. C'est où le problème? Vous imaginez, à part lui, le deuxième, c'est Maître Kims. Maître Kims, lorsque lui chante, il est autoritaire. Il prend des décisions. Maître Kims, lorsqu'il chante, c'est je m'étire. Pourquoi je suis parti là-bas sans mentir? C'est ma direction. Oh, papa, qui a dit que ce n'est pas ta direction? Va un peu. Il nous signale même qu'il est zombie, mais il crie sur nous. Je suis un zombie. Papa, il a dit que tu n'es pas zombie. Le troisième, c'est Bouba. Bouba, lui, il chante, vous ne comprenez rien, mais vous dansez seulement. Bouba, quand il chante, ça donne. Le seul pas. Mais, pourtant, c'est que vous vous demandez, il chante, hein? Moi. Les seules personnes qui comprennent ces chansons, viens me donner, papa. Viens. Oh, lâche-lui. Namokunaye. Oujouye, hein? Merci. Non, chérie Kikala, Ashuluanda. Bouba, les seules personnes qui comprennent ces chansons, ce sont les Youpiye. Bouba, quand il chante, il dit laissez pas. Un Youpiye fait ça. Vous comprenez qu'il porte de la cigarette. Là où les choses barrent chez vous, lorsqu'il dit, c'est pas le adieu, c'est moi, il est adieu. Et le Youpien tient ici. Tu te demandes, Bouba, vraiment, parle de ça. Non, mais vous savez, malgré tout, la musique africaine reste la meilleure. On a des chansons comme Ngofi Olomide, Légende, DJ Montabor, Valassé. Ah, la musique africaine. Imaginez cette musique. Ah, la musique africaine. Ah, la musique. Ah, la musique africaine. Mais malgré ça, il y en a même des gens qui font l'effort de détruire la musique africaine. La première chanson qui m'énerve, c'est pas vraiment la chanson, mais c'est la danse de la chanson. Mais quand on danse cette chanson-là, vous avez l'impression que ce sont des esprits mauvais qui sortent du corps d'une femme. DJ, balancez. Une fille dansait comme ça, faisait ça, elle a remboursé ma bouteille. De toute façon, je l'avais insultée. Dernière chanson. Joël Barreso, tu t'es foutu de nous. 2009, 2010, 2011, Joël Barreso a chacun un abissou. Tel un zin boutoubina. Bidji bidji, bidji bidji, boutou boutou, bidji bidji. Hey! Sacralisation. Et puis il vous dit, Mitinga mama yo, Mitinga mama yo, c'est moi. Ah, je vous remercie. On l'appelle la différence, mesdames et messieurs. DJ Contador. On marque la pause, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite après. B1 Show, exprimez votre talent. Merci, mesdames et messieurs. Et là, je vais inviter une délégation qui nous vient de Congo-Brazzaville. Et lui, c'est le président Ritez Okemba. Chaque fois que vous avez l'habitude de voir Dauphin dans des vidéos, des photos, je suis dans un bateau qu'on appelle Pégase. Et la personne qui a souvent l'habitude de m'inviter est cette personne qui organise des activités super extraordinaires dans un bateau. Bonsoir, président Ritez Okemba. Bonsoir, Dauphin. Vous allez bien? Ça va. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez traversé uniquement pour cette émission et aussi parler
Parlez-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe souvent dans les bateaux Pégase? Déjà, je salue la salle. Bonsoir la salle. Bonsoir. Vous allez bien? C'est un plaisir pour moi de se retrouver à Kinshasa. J'ai quitté Brazza ce matin. Comme me le dit souvent, papa m'avait dit, Bakatsa et Balieté, Pone Sengambuka. Bon. Je suis venu pour une bonne information. Vous savez qu'en Afrique centrale, des croisières, on écoute souvent. Mais à Brazzaville, j'avais pris l'initiative depuis 2018. Et en 2019, il y a eu Covid-19, comme vous le savez tous, on avait arrêté les activités. La maison Ritoté Events, dont c'est une inspiration de mon fils, celui qui est le PDG. C'est vrai? Oui, Jérémy Deluxe. Donc, je suis venu le représenter. Nous avons un bateau qu'on appelle bateau Pégase. Si vous rentrez sur Facebook Ritoto Events, vous allez remarquer que nous organisons des croisières sur le fleuve Congo. J'ai réfléchi, j'ai dit que le fleuve Congo appartient à deux pays. Voilà. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. J'ai invité Dauphin deux fois pour des éditions. J'ai dit, mais pourquoi pas de faire traverser les Congolais de Kinshasa à venir en profiter aussi. Voilà. C'est une croisière, ça se passe à bord d'un bateau. Vous naviguez tout le fleuve Congo, vous regardez comme Ilmbamu, Ilmutongombe, Mangengenge. On peut arriver partout là où il y a le fleuve Congo. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit comme ça, nous avons la possibilité de prendre des gens de Kinshasa, de loger au centre-ville, au plein centre-ville de Brazzaville, en face du casino. Vous venez à Brazzaville, on va vous loger. On va vous donner une voiture pour vous conduire. Si vous êtes en équipe, il y a des bus pour présenter aussi la vie de Brazzaville. De fait, il, Brazzaville. Il faut se défouler, c'est important dans la vie, mes de frères fait, et sœurs. De fait, à Brazzaville, il était bien reçu. C'est pour moi un ami, ce n'est pas quelqu'un que j'ai pris comme un artiste. Il est venu à Brazzaville, on s'est familiarisé. On a mangé ensemble, on rigole, on fait des blagues jusqu'à des heures tardives. Mais il ne dort pas. J'ai imité Sassou Nguesso. J'ai imité Sassou Nguesso. Moi, j'aime tous les présidents de la RDC. Nya, nya. Nya, nya. Je pense hein, que j'ai reçu mon fils ici, ok? Merci, merci d'avoir honoré le père, notre père, parce que le président, c'est notre père, il y a longtemps qu'il est avec nous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, la prochaine édition, c'est pour... La prochaine édition, c'est le 7 août. C'est Croisière Lipanda. Pour les donc, chaque événement, ça change de nom. Ça change de nom. Tu voilà. Es venu à la croisière La Détente. La Détente, Vacances et Lengui. Vacances et Lengui, Bokutani. Okay. Parce qu'il faut, changer des trucs. On ne peut pas garder la même conception. Voilà. Donc là, on a changé. Vu que c'est l'indépendance de notre pays. Du Congo-Brazzaville, voilà. Le Congo-Brazza. Pour Kinshasa, ça, c'est le 30 juin. Pour nous, c'était le 30 juin. 30 juin, c'était ouais. Déjà passé. C'était déjà passé le 30 juin. J'étais venu voir Fatih. Je dis, ben, 32 ans de pouvoir dans le bruit. Je voulais bien imiter le président Sassou, mais je ne pourrais pas aujourd'hui. Donc, la prochaine croisière, c'est le 7 août. Le 7 août, s'il vous plaît, les Quinois, vous avez envie d'assister, je vous jure, c'est beau à voir. N'hésitez pas, il va donner un numéro de WhatsApp. Si vous avez envie de faire une réservation déjà bien avant, n'hésitez pas, venez au traversé. Net, il y a eu pour la B1 Show. Traversé, il y a eu pour la famille. Il y a eu pour la boss, il y a eu pour la minute, il y a eu pour la boss, il y a eu pour la boss, il y a eu pour la boss, chill. Bon, ça sera vraiment très bon. C'est une bonne découverte. Il y a aussi des filles. Okay. Ça ne peut pas manquer. Sans les femmes, on ne peut rien faire. Ça, c'est ce qui est sûr. Et le bateau a 14 chambres. Le bateau a, il y a une terrasse. J'ai ma chambre. Vous avez les couleurs du bateau. Oui, tu as ta chambre. Tu étais venu avec la clé d'or. Je dois prendre ça. Ouais. Parce que chambre, ma chambre bateau, est fermée jusqu'aujourd'hui. Okay. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Je ne vous mens pas. C'est des trucs... vraiment, vous serez ému de voir ça. Je te remercie pour plusieurs je fois. Je t'en prie. Si je suis arrivé, c'est pour ta générosité. Merci. Je t'ai bien reçu à Kinshasa, en tout cas, Kinibopeto. En tout cas, ça va. Merci à tous les Congolais de Kinshasa. On est ensemble. Le seul rendez-vous à ne pas oublier, c'est le 7 août à bord du bateau Pégase avec Ritoté Events. Le savoir ne ment pas. Ritoté Events. Le président Ritoté Soké, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Merci. Merci le président. Merci à tout le monde. Merci. Quand t'adores, toi, mais ça peut être un ça, moi bien. Je n'ai pas donné mon numéro WhatsApp. Ah, ton numéro WhatsApp. Je mets d'abord le préfixe 00242. 242. 06. 06. 653. 653. 61. 61. 57. 57. Je suis connecté à l'instant. Donc, si vous m'écrivez, je vais vous balancer les vidéos. Donc. Voilà. Plus 242. 06. 06. 653. 653. 61. 61. 57. 57. C'est facile, écrivez, parce que faites une réservation. Il n'y a pas de 90, 90. Non, bien sûr, 90, 90. Bien sûr, la bonne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. B1 Show. Exprimez votre talent. Oh,
Merci. Ah, ouais, 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 ouais. Il a fait plaisir à tout le monde, tu vois. Bah, Mikolo, bah, papa, bah, maman, tout le monde, bah, Sobina. Et ce que j'étais très ému, mesdames et messieurs, de voir aussi les autorités en train de danser cette chanson. Imaginez Fatih Obina Bokoko. Mouluba. Et ce qui me fait encore plaisir, une fois de plus, chers invités, Moni, parce que quand on voit une autorité en train de danser, on se dit que bah, c'est les cagatés, plutôt Babon l'a raté, Babon l'a mawaté, comme si. Non, moi je me suis posé une question un jour, mesdames et messieurs, je me suis dit, bon, est-ce que Babon l'a raté, Babon l'a raté, Batou, hein, Babon l'a moutou. Parce qu'imagine-toi, Suko, Kabila, Basson l'a maman Olive, Suko Kabila, Zana Thor. Si vous comprenez qu'on a tort, naïe, est-ce que vous pouvez nous laisser comme un euro? Olive, ne crois pas. On y remet. On a pas peine à ça. Attends. Tu sais que nous avons deux enfants. Tu peux me pardonner. Je sais que je ne suis plus président de la République. Mais tu es ma femme. Allez, Nalingio. Ah, tu vois. C'est rien de moutou, c'est rien qui est ce qu'on a tort. Eh bien là, Yvette. Aussi abonné. Je suis pas sous-gouverneur à Kinti. Non, mais c'est ça. Sigoyo, papa Fachi, parce que ma Denise. Ce papa Fachi en a tort. Merci beaucoup, c'était de faible taille. Merci beaucoup. Voilà. Je reviens maintenant. Gaspabilou, je pense que tu veux nous faire plaisir. Yeah. Maintenant, je veux nous faire plaisir. Toi, ma disque, disque. L'équipe, pendant qu'on parle avec l'artiste, vous pouvez déjà vous préparer déjà. Tout le monde, on le avant, on le monde, 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 Kimi peut comme Golila, le roi, monsieur Bozolila. Olélandais, n'est-ce pas? Il y a comme ma vision, Moutoumo, Yemo, Ebelo, Kimeli. Voilà. Et pas à Moutali Bosote, Kim, à Pé Moutasouka. Donc, on record, on a déjà battu. Yonimanga. Donc, voilà. Merci, mesdames et messieurs. On va passer encore à un autre moment extraordinaire parce qu'on parle de Gaspabilous. Ouais, il a rajouté dans sa musique, dans son rap qu'il fait, la rumba. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant, comment s'expriment ces musiciens, et toi aussi compris. Ouais. Ah, ça va, toi, comment on va, Nago? One show, exprimez votre talent. Tous à maman, yo le rapport à Roumat. Ah bon, ma casse, bon habit, moi ça fait plaisir. Ma courage, tous les gars. J'aime beaucoup aimer la ma mère, on va soutenir la biso, la paix sa biso vie. Le grand frère Hans Louzolo, mais ma sambo. Ma belle Iwa, ton cœur Naza, Naza en vie. Ose pelo, qu'on n'a pas tant que Naza en vie. Ose pelo, qu'on n'a pas tant que Naza en vie, moi. Au bout de l'aime, elle est en bout de courage. Hey! Au bout de l'aime, elle est en bout de courage. Tant que Naza en vie, l'en profond, on l'a jamais. Oh, bota lembe le to, bota courage, maman. Maman, nana, ma belle Iwa, ton cœur, Naza, Naza en vie. On s'appelle encore ma tante Naza en vie. On s'appelle encore ma tante Naza en vie, maman. Oh, bota lembe le to, bota courage. Oh, bota courage, de feu pour la matadine. Fais ta jeunesse pour que moi je naisse. Ma mère a soutenu ma musique. Aujourd'hui j'ai le buzz.
Zambe nanga ya se pona yo na koka koka nga motema te na otika te mokili emo na ama ya miso na yo simba te mama. Yango na koma kanda kanda mazona mbongo na linga gaba jete. Yango na koma mesha mesha na kopa la na gaba zeki te mama. Mama, nanga, mabeli wa tonke nasa. Le jeune courageux ici, c'est le courage, la détermination. Il s'appelle Diem Javelo. J'avais poussé dans le bouton. Il y a chef d'orchestre, la mission comme on a aimé, Diem Javelo. Yaya! On va voir si bon à Yaya. Bonjour à Yaya. Gola Sas Mataboya Yanga mama, singulièrement maîtresse d'avenir. Mama ni mama, oh, femme de cœur. Mama zankaka mama. Ata zanga bala raza mama. Ata zanga bade faza mama. Christine Kamesa. Kosala na mama ezelengi mingi. Talandenga ngala kola na kola ngebu ngebu. Ifona sala pefo, mama pase pela. Ifona sala pefo, mama pase pela. Dofe yanga mama, singulièrement maîtresse d'avenir. Mama ni mama, oh, femme de cœur. Mama zankaka mama. Ata zanga bala raza mama. Ata zanga bade faza mama. Christine Kamesa. Kosala na mama eselengi mingi. Talandenga ngala kola na kola ngebu ngebu. Ifona sala pefo mama pase pela. Emiliano Kutuma le meya mama Roy. Merci. Ah. Voilà sa baby, voilà sa baby, voilà sa baby, voilà sa baby. Tous les gars. Yazale qui avait la mise au jour, c'est bien. Au moins, attends ma face, c'est une bataille. Voilà. Vous avez solitaire. Mon vieux jour, c'est bien. Place tout aux alibes à faute. Coréen, maman. Coréen, maman. Corée, maman Bertine. Corée, maman. Merci, monsieur. T'as fait un boulot en matin. Corée, tu t'es donné rien que pour moi. Bec et tu te battu pour toute la famille. Entre vents et marées, tu as l'idée. Entre vents et marées, tu as l'idée. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Eleni. Coréen maman, Coréen mère, Coréen maman, Coréen mère, Coréen maman Bertine, Coréen mère, Yo Kabiso. Coréen, tu t'es donné rien que pour moi. Bec et homme, tu te battu pour toute la famille. Entre vents et marées, tu as l'idée. Entre vents et marées, tu as l'idée. Bertine, dimanche, mina, gosa, la tu pose, bella caca. Merci. Lui, c'est le plus jeune de l'orchestre, il s'appelle Brad West. Oh, il y a bon à des bonhommes, Sigo, donc star, il y a ma casse, des bonhommes, et ici. Après, il y a bien sûr, Esaïe. Avant, ma casse, il faut un Brad West. C'est Pélis Sabana, des bonhommes, attention. Nanga e ku mama, ku mama e bolingwa motema e ku mama. 9 mois dans ton ventre n'est pas facile. Mais voir devenir quelqu'un c'était en calcul. Mama nanga, tant qu'il n'a pas vivre beaucoup fa profiter. Objectif nanga, la rendre heureuse pour l'éternité. Ku
mama e mama na nga e ku mama e bolingwa wote ma e ku mama. Lève-moi dans ton ventre n'est pas facile. Mais voir devenir quelqu'un c'était ton calcul. Maman nanga, tant que dans ta vie va beaucoup fa pauvreté. Objectif nanga, t'as rendu heureuse pour l'éternité. Yes, applaudissez pour Brad West. Hey, j'aime courageux, let's go. Maman nanga, ma belle Iwa, ton père Naza. Você é belo, quando eu mando que nós são vivo. O botalem, ele é do botar coragem. O botalem, ele é do botar coragem. Só que nós são vivo, não tô com bola de mão. Merci beaucoup.